Salut, c'est Cosmos Zero, une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck Soyatel Embuscade Elf Hybride. Donc c'est un deck où on joue pas le scénario et on joue pas que des elfes. C'est un petit mélange. Et donc ça permet quand même de faire pas mal de points et de quand même contrôler vachement l'adversaire. On a des poisons, on a un petit peu d'harmonie. Donc on peut quand même faire pas mal de points avec. Il est classé dans T1 par les pros. Et effectivement, j'ai fait quelques parties avec. Et c'est quand même relativement fort. Maintenant, je pense qu'on est faible contre les doubles scénarios. Vu qu'on n'a pas de casseur de scénario, de souleveur de bombes. Voilà. Alors, la liste des cartes. En chef, vous avez embuscade elf. Vous générez 3 embusqués elf. 3 utilisations. Donc, c'est bien en combo avec la carte à l'Irène, vous pouvez quand même avec le chef facilement faire sortir à l'Irène. Et puis c'est bien en combo aussi avec Vernociel pour faire des dégâts ou profiter un maximum d'avoir des embusqués pour faire un très bon grand chêne. En avantage, il y a la lampe magique, on peut laisser ça, on n'a rien vraiment à protéger avec l'avantage normal. Ensuite, grand chêne, carte classique dans Soyatel, hein, vous infligez le montant de dégâts des cartes à gauche et vous l'améliorez des cartes à droite. Vernociel, où vous générez des embusqués, où vous faites 2 points de dégâts par embusqué que vous avez sur le plateau. Donc avec votre chef, ça peut aussi faire pas mal de choses. L'appel de la forêt pour chercher une carte Soyatel. Justice, donc vous générez un nain devant à 5 avec un bouclier et vous cherchez un autre nain selon, en général, on le fait sur un Mahakam Maraudeur, si on en a déjà un, on profite du lien vitalité, mais ça peut être autre. Barnabas, donc vous améliorez un elfe, un nain, une dryade de 2 points, souvent c'est très bien pour gagner le round 1. Maral de poison, contrôle, hein. Conseil, vous cherchez un nain, une dryade ou un elfe aléatoire. Donc les dryades, on a quand même pas mal de poison. Et puis s'il vous manque quelque chose pour Barnabas, vous pouvez sans doute essayer de le chercher avec le conseil d'Isengrim. À l'Irène, donc quand on a 5 elfes, elle arrive sur le plateau. Souvent c'est le cas avec son leader ou avec des cartes comme Vernociel. On a aussi des cartes qui font les chasseurs demi-elfes, qui font de l'harmonie plus un embusqué. Donc, en général, elle sort. Sol pour avoir un poison supplémentaire, voire de l'harmonie, un bouclier, mais c'est surtout le poison qui est utilisé et l'harmonie. Yavin, vous infligez les points de dégâts équivalents au nombre d'elfes. Lui-même compte, donc si vous avez 3 elfes et que vous le jouez, lui, ça fait un dégât à 4, donc pour avoir du contrôle. Chasseur de mi-elfes pour générer des elfes et avoir des cartes harmonie. Chuchoteuse pour faire l'empoisonnement. C'est rare qu'on utilise le bouclier. Forestière, harmonie plus empoisonnement. Faucon, donc pour avoir bête et aussi une carte harmonie, déplacer des bateaux chez Skellige ou des cartes clés chez Nilfgaard comme Damien ou Stéphane. Et puis vous aussi pouvez aussi faire 2 points de dégâts et ça a même harmonie. Mahakam, donc des nains. Donc s'il y en a déjà un, vous avez vitalité 4, sinon c'est que 2. Mineur, donc on peut jouer sur les Mahakam pour faire de l'armure. Donc des nains aussi. Tireuse pour avoir des elfes. Vous les jouez derrière et vous essayez de faire un maximum de dégâts avec. Et un escamorcheur nain. Voilà, j'ai fait quelques parties. J'ai en rang 0. J'ai bien grappillé des points. Je suis bien content du deck. On va tout de suite le voir en rang 0. N'oubliez pas, le partage du deck, il est sous la vidéo. Et vous pouvez aussi consulter le programme de mes streams. Je suis en stream pratiquement tous les soirs à partir de 21h. Voilà, allons voir une partie. On est contre repli stratégique. Il faut que j'arrive à gérer son Damien, sinon ça va être compliqué.
poison. J'ai déjà un faucon aussi. Je vais commencer par jouer le nain pour garder quand même les harmonies. Bon, ça, on peut peut-être empoisonner. Comme ça, en plus, j'aurai les harmonies. Peut-être garder une pour le tour suivant. Celle-là, on va la déplacer. Ça, on a l'harmonie aussi. Ça, on peut détruire. Mais attention, il va... Qu'est-ce qu'il révèle? Maharal, c'est quand même une très très bonne carte pour lui. Donc là, on peut quand même peut-être tuer ça. Qu'il a mis le messager, c'est un deck meule, il va essayer de vider mon paquet. Qu'est-ce qu'il met dans le cimetière? Ok. Les elfes, j'ai pas beaucoup. Il faut quand même que je gagne le round 1. Sinon, je suis pas bien, je pense. On va faire Vernociel. Il est encore temps de partir. Ouais. Je vais passer. Maintenant, ça donne la carte, même si on n'a pas assez. Ouais, ok. Ce qui fait que c'est moins cheaté qu'avant. Avant, quand tu avais pas assez, tu recevais pas la carte. On peut remonter, mais. De toute façon, il aura une carte en moins. Est-ce qu'il arrive à faire 16 aussi? Ah, il va avoir quand même des cartes en moins. Après, j'ai un bon tour avec
J'ai le grand chêne, j'ai Barnabas, j'ai quand même mon leader. À voir, est-ce que il chope quelque chose de bien? C'est pas incroyable, je pense, pour lui. Ça suffit pas encore non plus. Il a largement des cartes en moins. Émuler trois cartes, je pense pas qu'il puisse. De toute façon, j'ai quand même beaucoup de cartes d'avance. Nous suivons l'exemple de l'étau. Avec mon leader, grand chêne. Puis récupère trois cartes. Qu'on est à égalité de cartes. Nos sens peuvent facilement se laisser abuser. Il est temps de nous salir les mains. Je pense que je peux tuer ça. Et je mets ça là. Ça ne va pas faire plaisir à sa majesté. Je garde le poison pour après. Je joue un Mahakam. Ça, je ferais que ouais, qu'une 5. Voilà, je pense qu'il peut pas. Il peut pas faire plus. Et donc, de toute façon, avec une carte, il aura 4 cartes. Moi, j'en aurai 7. Donc, je pense pas que il puisse faire quoi que ce soit. Ouais, je peux faire la justice. J'ai encore 9 points avec mon chef. En plus, j'ai le grand chêne.
Il a déjà joué la carte qui lui permet de... de tirer des cartes. Est-ce qu'il en a une autre? Isbel, il l'a déjà fait. Non, il peut récupérer 6. Il fait une brute. Je pense que ça suffira pas. Ça, évidemment, c'est mort. C'est vrai que j'aurais pu renvoyer ça. Mais ça suffira quand même pas. Voilà, peut largement pas. Et c'est la victoire. Voilà, j'espère que la partie vous a plu. Je pense que contre Meul, normalement, il faut remporter le round 1. Mais là, au vu de la situation, j'avais largement assez de cartes. Voilà, le deck, il est en description. C'est un bon deck. J'ai quand même marqué pas mal de points avec. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !